Hockey le magazine pour notre segment Parcours vers le hockey mineur. On a le plaisir de recevoir Hendrix Lapierre, attaquant de l'organisation des Capitals de Washington, qui va nous partager certains de ses souvenirs. Hendrix, parle-moi de comment ça a commencé le hockey mineur dans la ville où tu habitais. Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai commencé un peu comme tout le monde, je pense, qui joue au hockey dans le MAG. J'étais chez nous à Elmer, là, une petite ville dans Gatineau, puis j'ai commencé là. J'ai joué MAG 1, puis quand j'étais petit, comment je pourrais dire ça, je pense j'étais un petit peu, j'avais une petite longueur d'avance peut-être, fait que j'ai pas été obligé de faire le MAG 2, j'étais directement dans le novice. J'ai joué 2 années novice. Puis l'année que j'étais censé jouer genre ma 3e année novice parce que j'avais été surclassé, ben j'ai été dans la tombe. Puis ensuite de ça, j'ai joué 3 années à tombe. Tout ça, ça se passe évidemment à Elmer chez moi. Donc il y a novice B, novice A, à tombe 2B, à tombe 2B, à tombe 2B. J'ai eu des très 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 belles années dans le mineur là, jusqu'à, je te dirais, 12 ans là, vers la tombe. À jouer avec des amis avec qui j'allais à l'école. Tu sais, c'est vraiment dans ta petite ville, là, fait que t'es proche de tout le monde. J'ai vraiment trippé, tu vas souvent sur la route, t'as 3-4 tournois par année. Tu sais ça, fait que tu joues vraiment dans ta région, fait que moi j'ai vraiment aimé ça. Quelle est, Hendrix, selon toi, l'importance pour un adolescent de faire partie d'une équipe comme ça et d'avoir l'impression que tu appartiens à une gang, si on se permet l'expression, avec tes amis et d'évoluer comme adolescent? Ah, tellement. Je pense qu'on veut pas porter assez d'emphase sur ça. Le plus important pour les jeunes, vraiment, c'est de créer des liens solides avec justement les autres joueurs. Puis vraiment de trouver quelque chose qui te motive. Comme tu dis, c'est pas obligé d'être le hockey, là. Moi, je trouve que quand t'es jeune, c'est important de faire toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait plein de sports, puis je pense que ça aide tellement, justement, pour le hockey de faire ça, de voir d'autres choses, de mettre d'autres choses dans ton cerveau que du hockey tout le temps. Donc, c'est ça, c'est des belles années quand t'es jeune, puis je pense qu'il faut que t'en profites au maximum. Je me permets, André, de te demander ton ressenti sur un sujet dont on parle parfois beaucoup dans les arénas au Québec. Est-ce que tu trouves qu'on met trop de pression parfois sur les jeunes pour performer à un jeune âge davantage que d'axer ça sur le côté plaisir seulement du jeu? Oui, c'est en se promenant dans certaines arénas puis en côtoyant du monde. Tu sais, j'en ai vécu quand j'étais petit des situations comme ça, que j'avais des coéquipiers, je te dirais, tu sais, t'as l'extrême gauche, mettons, que c'est vraiment relax, t'as l'extrême droite, que c'est trop intense. Moi, j'étais dans l'extrême gauche, là, vraiment, vraiment relax. Fait que quand je voyais le monde dans l'extrême droite, c'est sûr que j'étais genre, hey, pauvre, ça doit être l'enfer, là. Il y a des situations, je me rappelle, là. Quand j'étais petit, je voyais tellement pas mes parents faire ça. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je me promène, je parle à du monde, puis ah ouais, mon petit gars, il y a 6 ans, là, il a scoré 4 buts hier, là, il trippe, il se crée un programme d'entraînement. Franchement, là, le gars, il a 6 ans, fais-les jouer au tennis, fais-les jouer au soccer, fais-les faire d'autres choses que du hockey, puis arrête de parler comme si c'était la prochaine vedette, puis fais-les pas entraîner l'été, laisse Sizi son été pour avoir du fun avec ses amis, puis jouer à la tag, puis... Tu sais, c'est dit de même, c'est un peu cabochon, mais c'est vrai, là, genre, c'est vraiment... Moi, en tout cas, c'est... Si j'ai un enfant, éventuellement, ce que j'aimerais, puis qu'il joue au hockey, ben, je vais le faire faire plein d'autres affaires, puis je veux pas qu'il pense à ça tout le temps. Tu parles de l'importance de tes parents, Hendrix. Je suppose que lorsque tu as joué ton premier match dans la Ligue nationale de hockey, ta première pensée devait être dirigée vers eux? Ben, c'est très cliché, mais c'est sûr que oui, là. C'est eux qui ont, justement, qui ont orchestré ça, qui ont fait en sorte que je suis où je suis rendu, puis je le réalise, je te dirais, au fil en fil des années, de plus en plus que je grandis, puis que je vois n'importe quoi, que ce soit le comportement de certains parents avec leurs enfants, que ce soit juste la façon que mes parents agissent en ce moment. Genre, il y a tellement de choses que quand tu deviens plus vieux, puis tu sais, je suis pas vieux, là, j'ai 20 ans, mais que tu réalises les affaires qu'ils ont faites pour que je sois là, puis... C'est n'importe quoi, là. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais genre, je suis vraiment reconnaissant. Puis, tu sais, quand je dis « Ah oui, mes parents, je les remercie », mais c'est vrai, là, tu sais, je le pense. Puis oui, ça peut avoir l'air cliché à la télévision, mais ils m'ont jamais mis de pression. Ils ont tout le temps fait en sorte que je sois confortable, que je sois bien, que j'aille du succès, que je puisse aller à des tournois partout, que je puisse rencontrer du nouveau monde. J'aurais pas pu demander mieux pour vrai. Puis comme j'ai dit, je réalise en devenant plus vieux là, qu'ils ont vraiment fait un job exceptionnel. Puis je me suis jamais... Tu sais, j'ai parlé au début de l'entrevue de vouloir aller jouer avec mes amis pour le fun. Eux autres, quand je me suis coupé du bantam 3, il n'y en avait pas de problème si je voulais aller jouer avec mes amis. Tu sais, c'était vraiment « fais ce que tu veux, mon homme ».
Puis ça prend pas beaucoup de paroles de leur part pour que je cherche justement là, ce que j'ai à faire puis comment tout va. Là. En terminant, Hendrix, quand tu retournes dans des arénas de hockey mineur et tu croises des jeunes dans des écoles de hockey ou autres l'été, est-ce qu'il y a un conseil que tu leur dis en particulier que tu aimerais peut-être leur dire maintenant qu'ils doivent retenir sur le parcours que tu as eu, toi, particulièrement? Il y a tellement d'affaires qui me viennent en tête. Au niveau plus... Au niveau plus hockey, ce serait éventuellement de faire ce que t'aimes à une certaine limite. Si t'as plus de fun, c'est vraiment classique encore, c'est vraiment cliché, mais si t'as pas de fun à aller à l'aréna, puis sans, je sais, par peu importe tes parents ou je sais pas qui, vas-y pas, tu sais. Le plus important, je pense, c'est quand tu te présentes à l'aréna, t'as du fun. Tu sais, il y a eu des périodes, moi, que je me présentais à l'aréna, puis tu sais, ça me tentait pas tant, puis j'aimais pas ça parce que je savais que le hockey, c'était l'affaire qui me passionnait le plus dans le monde, mais que je sais pas si c'était peut-être un peu une overdose ou j'ai tout le temps été un maniaque de hockey. Donc, je pense que ce serait vraiment juste d'avoir du fun, mais de respecter ses limites aussi, de ne pas abandonner. Puis si t'aimes pas ça, là, ben, vas-y pas. Fais pas ce que t'aimes pas. Hendrix, merci beaucoup pour ton temps et pour ces souvenirs partagés avec Hockey le Magazine. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour la suite de ta saison avec les Capitals.